Toi, t'es qui? Tu t'appelles comment? Amine. Tu t'appelles comment? Leïla. Oui, madame, oui. Oui. C'est quand que ça finit, j'ai un peu faim. Ça, c'est la meilleure. Ça fait 2 heures que je parle. C'est quand que ça finit, j'ai encore faim. J'ai faim. C'est sûr que c'est sa mère qui lui a dit. Ah, tu t'appelles comment, petite? Ambre. T'as quel âge? Ouais, ça se voit, t'as grandi en France. Parce que moi, 9 ans. Ma mère, je lui dis, j'ai faim, elle me dit, cool, je n'ai pas, mange tes côtes. Et toi, Ambre. Elle me dit, alhamdoulilah, t'es en France. Oh là, t'aurais pas mangé depuis une semaine si j'étais ton père. Ah oui, tu connais pas? Ça, c'est la clé. Nous, au Maroc, je te jure, je me rappelle, ma mère, elle faisait des trucs que j'ai jamais compris. Ta mère, des fois, elle te dit, hé, hey, pendant la fête, pendant les hits, si ton oncle donne de l'argent, tu prends pas. Moi, des fois, je prenais, elle me frappe et ne prend pas. Je dis, jamais je prends. Mon oncle, les hits d'après, la fête d'après, il vient, il me donne de l'argent. Moi, je lui dis, non, je veux pas. Il appelle ma mère, elle dit, hey, viens voir ton fils, il veut pas prendre mon argent. Ma mère, elle vient, elle me dit, Hamar, pourquoi tu prends pas l'argent de chez ton oncle? Nos parents, ils veulent nous rendre fous, je te jure. Ah, Ambre, t'as pas connu le regard de ta mère. Tu arrives chez les invités, tu veux manger le gâteau. Ta mère, elle te dit, hop. Le langage du regard. Tu n'as pas connu ça, Ambre. Tu as grandi dans un pays quand tu dis, j'ai faim. Ambre. C'est bon, Flo? Incroyable. L'Égyptien. Il y a une chanson égyptienne pour dire je t'aime dans la chanson, écoute ce qu'il dit.